Salut, salut les amis, c'est vous, Ulastrider. Aujourd'hui, on se retrouve sur Blur, la version Mac. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer donc ce jeu qui est quand même un jeu magnifique et que je trouve vraiment très bien, malgré la non-maniabilité, on va dire, des voitures. Je vais vous montrer la carrière, donc la Proving Grounds, Barcelona Oval, ou qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer. Barcelona Oval, c'est un très bon... très bonne course. Donc je ne sais pas quoi prendre. Il me faut une voiture assez rapide et je ne peux prendre que les bon bah la Camaro. Donc je vais prendre la Camaro, très moche. D'accord, mais comment non. Page Help. Ouais, d'accord, mais alors comment? Bon, et bah écoutez, alors théoriquement on peut la repeindre donc de toutes sortes de couleurs assez. Non. Toi, tu viens là, voilà. Donc moi je vais la repeindre assez funky, donc une couleur qui est assez voilà, pour la couleur comme ça, c'est la couleur d'origine de cette voiture. Donc vous avez quand vous faites une course, vous avez donc des objectifs à remplir et tout ça, et plein d'autres choses. Vous avez aussi des bonus qui sont sous la forme de boucliers. De bouclier ou de missile pour les balancer sur mon coéquipier. Alors, oui. Voilà, d'accord. Alors, les touches ne sont même pas les mêmes que sur les autres jeux vidéo, c'est super. Donc, là, j'ai... tout petit retard, vraiment tout petit. Donc là, non, ce n'est pas l'ordinateur qui lag, mais bel et bien le jeu qui, quand vous accélérez trop fort, est comme ça. Donc, hop. Puis je suis content, j'utilise des réparations. Donc voilà en fait ce que c'est les différents bonus. Je viens de choper comme une grosse merde là. Ouch. Alors, voilà, donc le but de cette course c'est simplement de la réussir. Yeah mon pote. Putain, j'ai rattrapé là. Waouh. Oui, donc en fait là ce sont des... Non, elle m'a pris mon... Yes. Et bah, l'arnaqueur arnaqué quoi, comme on dirait. Le mec qui a lancé une bombe vient de se faire bomber par moi. Yeah! Ouh, bolt hit! Merde. Attendez, yes. Seconde place, première place, non j'ai loupé. Voilà, donc le petit truc que vous venez de voir, en fait, ce sont 12 portes que vous devez passer pour pouvoir avoir... Ouais, d'accord, le truc qui sert strictement à rien. Pour pouvoir avoir... de l'argent en plus lors de votre course. Voilà, Total Race Domination, hop là, moi je domine la course. Là, oulala, je m'en payais un, oui, je m'en suis payé un, je suis trop fort. Bon, c'est un peu dur. Donc voilà, là, la course, bah, je l'ai gagné. Non, je l'ai pas encore gagné. Ah merde, non, il m'en faut un troisième, excusez-moi. J'ai l'habitude des courses à deux tours, mais pas des courses à trois tours en fait.
c'est assez perturbant de faire trois tours, on va dire. Est-ce que je vais réussir à le prendre? Voilà, donc là c'est pour vous montrer en fait. Non! Bon bah déjà j'ai eu le club, alors là mais complètement minable. Là vous m'excuserez, mais là je suis vraiment complètement minable. Plus j'ai eu un rhume, donc j'ai une voix de merde, et je vais m'excuser. Allez, voilà. Donc là je vais prendre. Mince, oh bah je suis passé entre. Donc oui, il faut faire quand même assez gaffe parce que votre voiture elle a une barre de vie, la barre verte. Donc je ferai gaffe à ce qu'elle se soit pas détruite. Donc voilà, là j'ai gagné la course, voilà, je suis le premier, voilà. Donc la particularité de ce jeu c'est qu'on voit le conducteur, pas comme dans les sports speed où on ne voit pas le conducteur. Donc voilà, là j'ai gagné, j'ai eu 535. Là je suis en dessous, bon pas je suis en dessous, 455 ouais, je suis largement en dessous. Donc voilà, cette course elle est finie. Vous avez des fan status à remplir. Vous avez donc voilà, comme vous pouvez le voir à droite, des objectifs aussi. Passer 5 événements, j'en suis à 4. Je vais vous montrer Homeboy Race. Donc c'est pas sûr que j'y arrive parce que franchement c'est vraiment dur, ah, vraiment très très dur. Donc je vais juste vous montrer. Merci. Voilà, je vous la voulais comme ça. Donc je vais vous montrer sur Homeboy avec la même voiture. Sinon que dire, le fan run que j'ai essayé de faire mais je me suis craqué. Vous devez passer 12 portes d'affilée sans en louper une seule et vous gagnez des fans en plus. Et ça aide franchement beaucoup d'avoir beaucoup de fans. Pour la suite, oui, ça aide vachement pour votre course. Donc là, je commence 19e, bon bah nickel. D'accord. Alors j'ai appuyé sur la touche pour accélérer. La touche n'a pas voulu marcher. J'ai appuyé dessus, mais ça a marché. Voilà, donc là j'ai lancé carrément un éclair. Et ça vous fermé, voilà j'ai eu des portes, ah faut passer là, ça va être chaud là, oui ça va être chaud, bien sûr. Oh là là, je suis bon. Non j'ai les équipés. Non. Ouais non. J'ai complètement loupé la porte, l'avant-dernière porte, je l'ai complètement loupé, mais alors là c'était carrément minable de ma part. Je m'en excuse. Et pour les fan run, je suis pas très très doué. Ça faudra l'admettre, je ne suis pas très doué. Et là, oulala, j'ai failli me prendre le truc du milieu. Je suis 14e. Oui, donc la course est assez serrée, même si c'est contre l'IA. L'IA en mode, il n'y a pas de bot dedans. On va 15e, allez, vas-y, cocotte qui me donne. Non, 14 là. Là, je vais essayer de le prendre. Oui, yes. Voilà. Oula. Jean-Claude m'a bien eu. Oula, tu m'as eu sur ce couteau. Mais t'inquiète pas, mon coco. Ouf. Manger cher, là. Je mange. Ah. Oh putain, ma pauvre voiture. Oh là 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 là. Voilà, donc j'ai fait ma revanche. Wow, ouch, non, et voilà, merde, ma voiture. C'est limite si elle n'avance plus. Non, je suis craqué. Donc là, en fait, votre voiture peut subir des dégâts, et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous les voyez. Donc, c'est un petit plus. Voilà, ma voiture, là, elle est nickel, chrome. Je repars de zéro. Oula putain, j'ai fait le truc, j'en étais sûr aussi. Bon bah, c'est pas grave, j'en ai touché une. Ouais, donc en fait, quand vous vous mettez par exemple à la perpendiculaire de. Et merde, j'avais pas vu. Ah mince. Et donc, quand vous prenez un obstacle ou vous êtes bloqué, bah le.
Mia vous dit que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas repartir, donc alors qu'en réalité vous pouvez repartir dans la vraie vie. Là vu que c'est un jeu vidéo, il vous dit non, tu ne peux pas repartir et tu n'as pas le droit. J'ai eu de la chance là. Et donc vous restartez en fait votre jeu, vous restartez, bug un peu, enfin lag plutôt, pas bug, mais lag. Donc là je vais essayer de me les faire ces deux connards. Allez derrière, attends, viens voir papa. Alors là c'est vraiment très intelligent ce qu'il vient de faire, c'est que le mec vient de balancer deux machines dans le vent. Quoi? C'est quoi ce délire? Oh yes! Oh non, là c'est Mibi, Mibi le boss. Oula, oula, oula. Alors là Jean-Claude, tu vas peut-être aller moins vite. Voilà. Voilà. Allez, ouais, non, pas trop. Oh punaise! Donc là, je vais prendre la deuxième route. Non, mais puis comment le truc tourne et descend. Voiture nickel. Hop là. Donc sinon, qualité graphisme, ce jeu, franchement, il m'a vraiment surpris. Parce que quand j'ai vu l'emballage, la boîte du jeu, je me suis dit, ouais, bon, c'est un jeu, ils ont tout mis dans la couverture, mais bon, après, il n'y a rien dedans. Genre, par exemple, Miss for Speed. Pas le dernier, mais l'avant-dernier, c'était non pas l'avant-dernier, c'était Pro Street. Franchement, j'ai pas trouvé ça très exceptionnel non plus. C'était surtout un jeu vidéo. Bon bah voilà, il avait, c'était plus de la course. Il avait, c'est sûr, il avait une belle pochette, mais bon, il avait franchement, ça m'a pas du tout plu ce qu'il y avait dedans. Dans le jeu, le gameplay, les graphismes, c'était pas du tout terrible. Alors que là, franchement, j'ai été vraiment impressionné. Ces graphismes, ça m'a scié. C'est vraiment un bon jeu. Franchement, si vous aimez bien les jeux de course, essayez celui-là, parce que c'est vraiment le jeu ludique, quoi. Enfin, ludique. Non, merde, je me suis coupé le machin. C'est pas, non, pas ludique, mais... comment dire, c'est autre chose, c'est pas du tout la même vision que dans Need for Speed. Là-dedans, il y a pas mal de trucs que vous pouvez détruire. Moi je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien que ça change de Need for Speed, parce que Need for Speed, vous pouvez casser quelques trucs qui sont faits pour, mais là dans les circuits, il y a vraiment des bâtiments que vous pouvez casser, c'est ça vraiment que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est que l'environnement est destructible. Et ça, c'est plutôt pas mal. Oh là là, oh là là, oh là là, non, toi, je t'aime bien, tu vas pas me faire ça. Voilà, donc là, j'ai raté la course parce qu'il faut finir entre premier et troisième. Et si vous finissez quatrième, eh bien, vous avez perdu la course. Donc voilà, j'ai perdu la course. Cette course-ci. Mais bon, ça n'est pas grave, c'était juste pour vous montrer ce jeu en commentary. Donc j'espère que ceci vous aura plu. Et si cela vous a plu, vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter, et ainsi que sur Facebook, notre page Facebook. Allez, salut, à la prochaine les gars.